Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission. Alors, les candidats sont derrière, ils sont en coulisses, ils sont beaux, ils sont prêts. Et ce soir, l'un d'eux repartira avec les cheveux propres. Jouons tout de suite à Question pour un shampoing. Alors. Les candidats. Bonjour. Hein? Les candidats, messieurs, dames, je vais vous les présenter tout de suite. Hein. Alors, commençons tout de suite par Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Artus. Alors, Jérémy, je vois que vous nous venez de Dijon. Hein. Vous vivez encore chez votre maman et vous êtes passionné de jeux télé. Apparemment, vous avez une petite anecdote à ce sujet. Oui, tout à fait, Artus. Comme vous l'avez dit, j'habite Dijon et pourtant, je n'apprécie guère la moutarde. D'accord, très bien. Alors, passons tout de suite à notre deuxième candidat, c'est vous, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors Michel, vous nous venez de... De Maraîchère. Voilà, tout à fait. Vous êtes... Ostréiculteur dans les Alpes. Oui, d'accord. Et je vois que vous êtes marié et que vous avez... 3 enfants. Oui, tout à fait. Alors, Michel, je vois aussi qu'il y a une petite anecdote rigolo à votre sujet, c'est que... Michel. Oui. Michel. Ça va, Jérémy? Michel, vous avez... On peut le dire, hein, je vois sur ma fiche que vous avez participé et gagné hein, un célèbre jeu télévisé que tout le monde connaît, oui. La Star Academy. Alors, non, moi j'ai gagné la Star Academy. Alors, passons tout de suite à notre prochain candidat, ce sont des candidats. Hein. Alors, Rémi et Clémentine, bonjour, vous êtes frères et sœurs. Alors, à vous voir comme ça, on se pose tous la question, hein, mais alors qui est Rémi et qui est Clémentine? C'est lui. Enfin, c'est moi. D'accord, je vois aussi que vous êtes musicien. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Lui, oui. Mais moi aussi. D'accord. Écoutez. Maintenant que les présentations sont faites, commençons tout de suite par la première question. Attention, vous êtes prêts? Prêt. Top, je suis... Voyelle. Non. Non. Bon, bah, consonne. Non. Non, Jérémy, je crois que vous vous trompez de jeu, là. Hein, Hop. Oh, pardon. Oui. Oui, excusez-moi. Oh, c'est très gênant, gênant. Je vais appeler un ami, Artus. Non, Jérémy. Bon. Passons là-dessus. Attention, vous êtes prêts? Top, je suis... Ostréiculteur dans les Alpes. Non, je suis grand. Non, grand. Gros, oui. Mais non. Non, je suis grand, je suis l'ami des tout petits. Émile Louis. Ah non. Je suis orange, un petit peu gros. Morandini. Non, je vis sur l'île aux enfants. Alors, moi je trouve que votre question est mal formulée. Cependant, j'ai envie de vous revoir, Artus. C'est pourquoi je vous mets 12. Non. Je continue. Alors, j'aime le gloubi-boulga. J'aime le gloubi-boulga, orange, l'île aux enfants, je suis... Casimir, enfin. D'accord. Mais c'est qui, Casimir? Non, c'est un des rois mages. Oh là là. Bon, passons tout de suite à la deuxième question. Attention, vous êtes prêts? Top, je suis une excellente émission d'humour. Roumanov et les garçons. Non, écoutez bien la question. Je suis une excellente émission d'humour. Le Honda Show, tous les samedis. Oui, bonne réponse. Bravo. Bonne réponse. Alors, c'est une réponse collective, donc vous n'aurez pas de points, mais en tout cas, c'est une bonne réponse. Alors, excusez-moi, je marque juste une courte pause pour poser la question aux téléspectateurs qui sont là et qui attendent cette question. À la minute près, de quelle couleur les appelle-t-on? Voilà, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Envoyez-la au 17-12 et vous repartirez avec votre poids ainsi que la personne de votre choix. Passons tout de suite aux questions. Vous êtes prêts pour la suite? Attention, ah vous oui, êtes prêts? Ah oui. Top, j'ai un QI... Evangélie? Non. J'ai un QI supérieur à la moyenne. Je suis con... Evangélie? Non, je suis constamment... Oui, pardon Arthur, j'ai déclenché l'alarme des secrets, car je pense... car je pense avoir découvert le secret de Jérémy Michalak.
Oui, et qu'est-ce que c'est? Je pense que le secret de Jérémy Michalak est de présenter l'émission On ne demande qu'à en rire debout sur une petite estrade noire, d'ailleurs. Ah, voilà. Vous parlez ça? Oui. Voilà. Ah oui, hein. Je vais avoir des problèmes. Non, c'était... Enfin, un personnage. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, Jérémy. Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse, vous vous en doutez, donc je continue. Je suis considéré comme l'un des plus grands génies de mon époque. On me doit la formule E égale MC2. Schmack, let's go. Non, la photo de moi la plus connue, la photo de moi la plus connue. On me voit en train de tirer la langue. Je suis... Un mec qui a soif. Non, je suis... Ou un chien qui a soif. Non, je suis un mec qui tire la langue, je suis Albert Einstein, enfin, Albert Einstein. Ouais, mais nous, on l'a pas vu, la liste de Schindler. D'accord, bon, écoutez. Alors, je fais un petit récapitulatif des points comme ça. Rémi et Clémentine, vous êtes à 0. Hein, Michel, vous avez 1 point. Et Jérémy, vous avez 1 point. Donc, là, malheureusement, la personne qui est éliminée, c'est vous, Jérémy. Hein, pourquoi hein? Parce que vous êtes chiant depuis le début. Alors, c'est ce qu'on va voir. Bon, attention, vous êtes prêts, c'est la finale, il ne reste plus que deux candidats, s'il vous plaît. Maintenant, c'est un vrai ou faux. Attention, vrai ou faux, dans sa jeunesse, Jean Benguigui avait la même coupe de cheveux que Daniel Evenou. C'est vrai. Ouais. Faux. Eh ben non. Non, c'était vrai, regardez, on a même l'image. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Hein, je cherche un petit bonhomme comme ça, avec les doigts comme ça, il porte des clés, il court... Oui, là-bas, allez-y, voilà. Attention, vrai ou faux, vous êtes prêts, on continue. Attention, vrai ou faux, avoir la raie au milieu signifie qu'on a une tête de cul. Vrai, c'est la bonne réponse, ce sont nos gagnants de ce soir, bravo, on peut les applaudir. Je accueille maintenant Rémi et Clémentine, s'il vous plaît, venez ici, bravo, vous avez gagné. Vous avez gagné. Michel, vous pouvez quand même nous rejoindre. Merci, ils auront la chance de se laver les cheveux. Oui, venez, Jérémy, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour une nouvelle émission de Question pour un 100 points. Merci, bonne soirée. Une partie de la Dream Team d'On ne demande qu'à en rire. Vous avez reconnu Florent Père, Arnaud de sa mère et les décaféinés, ainsi qu'Artus pour son 36e passage. C'est ce que je me disais, il manquait un très gros plan. Celui-là a été servi. On a Catherine Barma qui a deux doigts du malaise, hein. Je vous le dis quand même au cas où. Et Arnaud de sa mère, c'est con, si j'avais pu le buzzer, je l'aurais fait. Découvrons... C'est con qu'il n'y ait pas Julien. Le Perse? Oui. Eh oui. Parce que ces boutons-là, Julien les Perse. Eh oui. Daniel Evenou, vous n'arrêtez pas de picoler, je vous vois avec votre petit verre depuis tout à l'heure. Quelle est votre note? 19. Bien joué. Laurent Ruquier. D'accord. 20. Alors voilà. Catherine Barma, 20 également. Merci. Et enfin Jean Benguigui, 20 aussi. Merci. Ah bah non, Daniel, expliquez-nous juste pourquoi vous avez mis 19 et pas 20. Parce que j'avais mis une fois 20, et je me suis dit, on peut pas faire, mais c'est ridicule. J'ai failli mettre 21, c'est veut dire, j'avais un problème. C'est extraordinaire, merci, mélanger toutes les émissions, les frères Samois, comment on dit, les frères Samois. Mais c'est... Ils sont très fiers, les chamois. Ce qui est formidable, c'est que Artus n'imite pas Julia Lepers. Oui. Et ça, c'est très bien. Oui. Et on est embarqué dans cette histoire folle. On a envie que ça dure 1h30, mais c'est magnifique, c'est drôle. Toutes les répliques sont là. Je vous dis, j'ai honte d'avoir mis que 19, mais je pouvais pas mettre 21.
Mais vous avez ah oui, mais alors entre les deux, il y a 20. Eh oui. Justement, Arthus, des 20, vous en avez eu, à commencer par celui de Laurent Ruquier. Pour vous, c'était parfait, rien à redire. Oh, bah, c'est, surtout, j'ai mis 20 parce que je remercie Arnaud de sa mère d'avoir rétabli la vérité sur la taille de Jérémy Michalak. Car depuis quand même maintenant, oui, un petit mois, on n'arrête pas de me dire « Ah, mais dites donc, on ne voyait pas aussi grand. » Parce que c'est, alors, c'est bizarre. Parce que moi, il faut savoir, on m'avait creusé un trou pour que je paraisse plus petit. Oui. Un jour, on vous révélera aussi les secrets concernant Jean Benguigui, mais bien plus tard. Catherine, vous avez mis 20 aussi. Ben, c'est une réunion de nouveaux talents, tous plus brillants les uns que les autres. Donc moi, je suis heureuse. Mais un qui est déjà passé chez les grands, puisqu'il sera dans le Hondard Show demain. Deux, pardon, mais oui. T'as oublié. Florent, qui est extraordinaire. Oui, oui, oui. Catherine, n'insistez pas, sinon il va descendre vous faire un bisou. Oh, il venait faire une bise à Catherine. Ah, non, allez-y, jamais, Florent. Jamais. Non, non. Non. Ah ben si, Catherine. Jamais les boutons. Bon, ben j'y vais alors. Ben, il vous a eu sur ce coup-là, Catherine. En fait, ce sont, voilà, encore des talents réunis. Enfin, ils sont formidables, quoi. C'est... Nous, avec Laurent, on produit des émissions où il y a des sketchs. Laurent a fait ce concept et c'est extraordinaire parce qu'on est quand même en troisième saison avec, ouais, bon, Florent Père et Arnaud de sa mère. Bon, ils ont éclaté, ça y est, c'est fait. Mais là, les nouveaux qui sont là, Florent Père, sont entièrement, il reste encore avec eux. Il va finir par percer, mais les décaféinés, sont formidables. Formidable. Non, mais ce qui est bien, au fond, c'est pas mal que les... On peut le dire, puisque demain, il y a la nouvelle émission, ouais, avec les anciens, parmi lesquels, effectivement, Arnaud de sa mère et Florent Père. C'est demain soir à 19h. Mais au fond, c'est pas si mal qu'ils aient quitté l'émission quotidienne, parce que je pense que ça va émanciper les autres. Parce qu'on est toujours, ça, c'est une leçon de vie, on est toujours un peu, voilà, pris au piège par ceux qui sont déjà là. D'ailleurs, il faut que je me tire. C'est ce que j'allais vous dire. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est exact. Mais oui. Bah, mettez les mots de la bouche. Pour pouvoir voler de ses propres ailes, il faut de l'espace. Et on leur a laissé cette année l'espace nécessaire aux petits nouveaux pour pouvoir s'envoler eux aussi. Excusez-moi, je ne sais pas si on peut me prendre au sérieux, mais en tout cas, au nom de tout le monde, je voudrais remercier Arthus et Marco, son co-auteur, de nous avoir offert cette partition parce que c'est un vrai bonheur. Les dialogues, Sont formidables. Ouais, bravo, les garçons, merci à Marco et à tout le monde. Merci Marco. Découvrons le total des notes pour vous, Arthus. Ça doit faire pas loin de 79 si mes calculs sont exacts. Merci. Bravo, bien joué.